Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus et bienvenue dans la suite de Breath of Fire. Souvenez-vous ce jeu que j'ai laissé en pause pendant près de 6 mois. Tout le monde l'a oublié. Je l'ai rappelé très très vite dans le dernier Trials and Tribulations que j'allais finir ce jeu parce que il y a d'autres jeux que j'aimerais vous présenter, d'autres RPG. Mais il faut que je finisse ce que j'ai commencé. Et au lieu d'effacer les épisodes que j'avais que j'ai déjà uploadé, ben je vais continuer ce jeu parce que j'ai envie de le finir et je veux savoir ce qui se passe. La dernière fois, alors je vais me retaper la dernière vidéo personnellement pour savoir ce que je fais. J'ai libéré un rocher avec un golem pour que l'eau revienne à Tontar. Et maintenant je dois reparler au maire pour lui dire c'est mon poteau, on a tout. Voilà. Donc voilà le maire, voilà. Tac, ouais. Ah, c'était pas le bon village, c'est juste à côté. Et parce que Tontar et Tontar, attention, ne confondons pas les noms, s'il vous plaît, c'était pas bien. Je vais juste remettre le lieu en première place. Voilà, les combats chiants, on aime ça. Ouais, putain, c'est con, mais les level up, ils aident pas beaucoup. Parce que Nina est toujours la plus faible en point de vie. Et Bo doit être faible en défense, il me semble. Peut-être. Ah putain, bah on va voir si les équipements sont présents. Oui, parce que faisons... Alors, attaque qui descend, s'en fout. Ah, en même temps, j'ai la masse d'argent. Ah, parfait, je prends un bouclier et une faux. Je vais essayer d'augmenter l'attaque de tout le monde. Équiper lui, si je mets l'épée longue, la faux. Ah, l'épée longue est meilleure que la faux. Ah, c'est vrai que j'ai des armes à la con. Merde. Qui c'est qui avait dit que le bouclier était bien? Ah, j'ai acheté des trucs de merde. D'accord. Très bien le jeu. Ah oui, mais ça me sert à rien. Je vais vendre le fleuret, l'info. On fait des achats nuls. Oui, vend. Non, vends-moi de la merde. Enfin, je vais te vendre ma merde. Impossible à vendre. Mon fleuret est impossible à vendre. Oui, voilà, je fais ce que je veux. Hein. Je suis le jeu. Très bien. Ah oui, ma stratégie, c'était d'attaquer avec le fleuret pour toucher plus de personnes. Bouge. La clé est en bas. Oui, je les sens. Ah, il y a deux coffres. J'ai obtenu de l'herbe. La clé. La grotte. Et maintenant, je vais où? Parce que je ne sais même plus où j'ai foutu le robot. Je ne sais même plus où je l'ai trouvé, d'ailleurs. Le robot. Bon, je vais quand même me faire les mobs gratuitement. Soit, ouais. Bon, par contre, la masse d'attaque, Liu aussi. Mais Nina, elle est juste faible en défense. Ah, c'est moche ce qui se passe. Mon robot. Il est où? Putain, mais 18. Décevant. Décevant ces stats. Ah oui, level 14. Oui, augmente mes stats. Ah, mon robot. Est-ce que c'est ça la grotte? Il me semble que cette grotte, j'ai dû aller la voir une fois dans ma vie.
et que j'ai pas pu y aller parce qu'il manquait de l'eau, ou qu'il y avait de l'eau. Je ne sais plus. TNW. Ah oui, c'est vrai que... Les traductions françaises, je rappelle quand même que ce jeu est basé, est une réédition de la version Super NES. Alors déjà que les versions Super NES, voilà, possible au combat, lié à la déesse Minia. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai du bois, et c'est quoi le pneu? Augmente ma sagesse. Bah écoute, très bien. À quoi ça me sert? Je t'avoue que les stats dans le jeu, j'en ai rien à faire. Et maintenant, je prends aussi la grotte là. Je suis le chemin. Je suis le chemin pour le moment. Ah, pour l'instant, c'est là-bas. Très bien. Là, ça doit être un point de TP. Je pense que c'est un point de TP. Oh oui, il faut farmer. Il y a du monstre. Il y a du stremon, trop cool. Ça va être bien. Bon alors évidemment les escaliers. Hein. Les escaliers comme ça, hein, parce que c'est trop cool. Du stremon toujours. Oula, il y en a deux. Normalement, ceux-là, vu qu'il n'y a pas de swap color, ça doit être des faibles. Ah, je prends 11. Ah, ça prend cher. Ça rapporte quand même un peu d'XP, hein, ces monstres-là. Alors... donc ensuite bah, je dois descendre il me semble. Allez. Oui. Le zéro dommage. Hein. Non létal. Rien n'est létal ici. Il y a les coffres. Je vais prendre les coffres avant. Parce que c'est important. Il y a des zombies. Un peu plus violet que ce que je voyais dehors peut-être. Putain, 105 d'XP le zombie, ça fait... Ouais. Une vie. Très bien. Un la vie, c'est pour ressusciter. Je ne sais plus, faudrait que je reprenne les objets. Oh, pas ceux-là. Attendez, je regarde juste. Donc ça, c'est pour les PV. Ça aussi. Ça c'est antidote, ça c'est des points de combat, ça soigne le zombie, ça rend mieux à tout le monde. Soigne un état normal, anormal, donc vie ça rend toute la vie. Et vie ça soigne l'étourdissement. D'accord, donc c'est vidéo qu'il me faut, que je voudrais que j'achète un fond à fond. Ça je sais que c'est de la merde. Voilà. Ah bah oui. Ah tuez-moi Nina. Ah oui. Faut que j'en attaque, je vais me concentrer sur un seul, finalement. Les vrais strats, un critique de beau. Un critique de beau. Recovery, très bien. Et un critique de Ryu. Parce qu'en vrai, le personnage s'appelle Ryu, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je ne sais plus, mais au moins, voilà, vous le savez. Votre culture est maintenant augmentée. Vous avez gagné 2 points de culture. Vie 2. Très bien. Et là, il y a 2 arts. Non, on va se concentrer sur un seul. Voilà, déjà 1.
monstre assez une herbe. Très bien. Bah c'est cool. C'est très très cool. À cet étage, qu'y a-t-il? Y'a rien. Ouais, petite limace, hein, on va se la faire. Petite limace nulle. Mais c'est toujours ça. Vingt. Quoi? Comment? Pourquoi? Pourquoi 20? Qu'est-ce que je t'ai fait? Bon bah là j'en monte. Et je suis où? C'est pas là d'où je viens. Ah non, c'est pas là d'où je viens du tout même. Merde, j'ai failli oublier le coffre. Oui, très bien, mon golo. Ah oui, le combat. Toujours encore du combat. Et il y en a trois. Toujours pas de sort. Rien. Lol. C'est toi qui as des sorts pétés. Et toi, t'as des sorts nuls. Je des sorts nuls, hein, on va pas se mentir. J'essaye de planifier des stratégies, c'est super chiant. Je vous assure que c'est super chiant. Bon. Non. Hop, tu meurs, toi tu meurs, et toi tu décèdes. Chance 16 critique 12 nul. Bon, un de moins, c'est déjà ça. J'ai pris un petit peu cher, mais légèrement. Critique à 12, 14. Ça ne rigole plus. Ah oui, plein d'XP, de l'XP, mais il n'y a pas assez d'XP. On va se mettre un petit coup d'herbe dans le nez. Ouais, ranger par contre. Oui, voilà, un pec. Il y a un coffre là-bas. Je veux de l'herbe. Oh là là, des critiques! Ah, ça enchaîne des critiques depuis 2 minutes, c'est incroyable! Non, il y a une plateforme en bas, Ah, et alors encore! On essaye de se barrer. Raté.
Ah, puis Lina, elle prend bien cher, hein. Deuxième raté. Alors, allez, troisième. Ça marche toujours pas. Je ne sais pas pourquoi ça se heal. Quatrième raté. Cinquième. Allez, on va essayer. On va voir jusqu'à combien je peux me rater. 6. Ah, le jeu est très la punitivité, dis donc. Allez, on y croit. Ok, bon, je crois que j'ai assez usé. Alors, toi, tu meurs. Toi, tu vas brûler. Et toi, tu vas mourir. Ah, c'est tellement le décès. Surtout que ça me consomme beaucoup de magie, ce truc. Alors oui, le son rame un petit peu quand il y a beaucoup de choses à l'écran. C'est tout à fait normal. Et re-critique. Double critique. Ah, on n'a pas de triple critique. Ça aurait été cool. Ça aurait été gentil de la part du jeu avec ce que je me suis pris. Oui, inutile, c'est bon. Ah, merde, la touche. Voilà, la bonne touche. Un gland. Super. Super, trop bien. Bon. Du zombie. Tabac. Critique de beau. Attention, est-ce que je suis zombie? Non! Je ne suis pas zombifié. La bonne nouvelle. Ah, allez. Oh, que c'est chiant cette grotte. Et deux arts. Bon, les arts, de toute façon, je m'en ferai un à la fois. Je le sais, je le sais. Ensuite, il attaque. Regardez cette animation. 16! 1! 1! J'ai mal à mon cœur. J'ai mal à mon beau. C'est quand le level up là? Parce que là, j'ai largement assez pour level up. Bon, l'escalier. Oui, autre cascade! C'est fini? C'est fini. Oh, y'a quoi là-haut? Ah, y'a quoi là-haut? Ah, y'a un coffre. Un bouclier. Alors, qui va l'équiper? Équiper. Pas toi. Pas toi. Ah, c'est déjà mieux. C'est un poil mieux. Mais voilà, pas plus. Du zombie, du zombie, du zombie. Encore toujours du zombie. Voilà, ça, c'est réglé. Toujours pour relier. Allez, on récupère l'anneau. Enfin, vous obtenez l'anneau. Oh, cette musique. Oh, j'approuve cette musique. Oh, mais non. Bon, c'est de la merde. C'est un monstre nul. Calmons-nous. Voilà.
Mais Nina niveau 13, enfin. Telep. Tu vas prendre les nouveaux sorts. C'est quoi Telep? Sort Nina. Oh, ça TP en ville. Oh oui. Je vais me TP, je vais dormir, je vais sauvegarder. Et puis voilà. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire que ce sera bien. On va voir ce que l'histoire nous dit. Allons-y, téléportons-nous. Ça coûte 2. Impeccable. Oh, je peux me téléporter n'importe où. Grosse animation. Oui, merci. Je vais juste sauvegarder. Pendant un instant, j'ai cru que j'étais bloqué à cause de ces deux connards. INN. Oui, je vais aller à l'INT. Oui, je vais rester. C'est là que je dois aller. Eh ben, oui, commençons. La musique, ça y est, on y va? C'est fini? Bon bah... Cool, bah on y va. Allez, des bisous. Bon bah voilà. Et ben, on va s'arrêter là. C'était... voilà, c'est une fin heureuse. Une fin d'épisode heureuse. Voilà, c'est cool. J'espère que le retour de Breath of Fire vous plaît. C'est un petit épisode pour reprendre doucement ce jeu. Comparé à l'épisode de 2 heures de Neverwinter Night que j'ai tourné avant. Enfin, que j'ai tourné il y a 2 jours. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, ben, comme d'hab, les likes, les commentaires. Si c'est la première vidéo que tu regardes, va regarder mon contenu. Si ça te plaît, tu t'abonnes à la chaîne. Tu peux me suivre sur Twitter. Et puis voilà. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine.